Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui c'est le quatrième épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, j'espère que tu vas bien. N'oublie pas de liker la vidéo, commenter, partager, t'abonner et c'est parti pour le temple, ou le donjon, je sais pas comment on dit, des Gerudo. Allez, let's go! Dame Kirbendo va tout arranger. Comment ça, Dame Kirbendo? Ah, c'était là! Nos camarades sont à l'intérieur de cette faille! Attention, ne vous approchez pas trop! Il faut les sauver, mais comment? Ça sert à rien de donner des coups de fourchette dans le vide. Hein. Facette, comme tu l'avais conseillé, nous avons affronté les monstres sans relâche. Alors, pourquoi la faille s'est-elle agrandie? Eh bien, nous n'en avons sans doute pas encore suffisamment vaincu. Dame Selam, cet endroit est dangereux. Rentrons au palais pour revoir notre stratégie. Ne dis pas de bêtises. Nos camarades ont été engloutis par cette faille. Nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Mais moi, j'y vais. Allez. Ah, vas-y, non. Attendez, quoi? Voilà, très bien. Je crois qu'ici, je devrais pouvoir créer une entrée. Zelda, recule un peu, s'il te plaît. Zelda, est-ce que c'est... Tu vas entrer par là pour refermer la faille? Comme ça, nous pourrons retrouver nos camarades engloutis. C'est formidable, Zelda. Je t'en supplie, referme cette faille. J'y vais. On est bien dans le monde du néant, mais cet endroit n'est relié à aucune grande faille. Par contre, je ressens la présence de mes compagnons. Ils ne bougent pas du tout, ils doivent être enfermés dans je ne sais quoi. Si on les libère, on pourra refermer la faille. Je ressens la présence de mes compagnons à 5 endroits. Ils se trouvent quelque part dans ce néant, il faut les trouver et les sauver. Mais il va y avoir un donjon là ou... Bah, non, je suis pas au max, vas-y, prends. Pourquoi ça vient pas à moi là? Voilà, voilà, merci. J'aime bien ce genre d'endroit. Par contre, essayons de ne rien oublier. Je vais peut-être pas descendre maintenant. Mais attends, mais ça c'est du vide ou c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je peux y aller, hein. En vrai, il y a peut-être des objets là-haut. Ah ouais, il y a même des souterrains et tout. Ah, la zone, elle est bien plus vaste qu'avant. Ah, c'est ça les twomps! Comment je les tue? Qu'est-ce qui pourrait permettre de tuer un truc comme ça? Pour moi, ouais, il y a bien moyen, je pense, hein, vu qu'on peut les cibler, ce sont bien des ennemis, mais... Là, j'ai pas la solution. Il y a des trucs à faire là-haut? Non. L'araignée, elle pourrait pas faire quoi que ce soit, quand même. Le fait de pouvoir les choper comme ça, ça peut m'aider, hein, je pense. Je sais pas, hein. Y a un truc en haut, y a un truc en haut, c'est sûr. Vas-y les petits bonhommes. Non, y a rien, y a rien, y a rien, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Même j'imagine ils peuvent pas s'écraser entre eux, hein. Genre, tombe sur l'autre. Ouais, non, hein. Genre, jeter une lance dessus, ça paraît une bonne idée, non? Laissez tomber. Ok. Ça c'est l'ennemi qu'on connaît. Bon, s'il y a juste à monter, ça va tranquille. Peut-être un peu loin là, j'ai abusé. What? Ah mais ça coule! Mais je peux pas y aller là, c'est beaucoup trop. Même avec Link et ça. Ah ouais, c'est beaucoup trop. Comment... En fait... L'araignée, c'est sûr que ça peut pas marcher ici. Je tente, hein, mais... Attendez. Il y a peut-être un truc. Après, peut-être je vois trop loin en pensant à ça, mais... On voit. Peut-être que j'ai pas assez exploré, qu'il me manque des objets. Mais le souffleur, il devrait peut-être pouvoir m'y amener, non? Ah, il va pas assez loin. Quand il atterrit, tu peux le buter, comment ça, en donnant des coups d'épée? What? Mais pourquoi on a abandonné directement, en fait? Genre, c'est évident. Enfin, en fait, je crois qu'on a donné un coup et ça a pas marché, hein. Le méga blâme. Bah, c'est bon, ok. Alors, tout le reste, là, il est faisable en 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, mon problème. C'est que j'ai une idée, je me dis, je fais comme ça. J'essaye une fois, ça marche pas parce que je l'ai pas correctement fait. Et donc je dis non,
c'est pas possible. Trouve une autre solution. Alors qu'en fait, c'est juste que je l'ai mal fait. Bref. Et ça, effectivement, c'est même pas juste grave pratique. C'est indispensable à ferme. Faut que j'en mette plein. Parce qu'il faut qu'il remonte dans le truc. Allez. Parce que là, j'en ai vraiment besoin. Alors, maintenant. Non! Heureusement que je suis patient, hein. Et en plus, tu peux mettre ça. Ah bah, mais non, c'est trop lourd. Ok, je comprends. J'ai utilisé plus l'oursin que ça. Alors que l'oursin, j'ai l'impression que j'en ai mis 4 depuis le début du jeu. Ah, skip. Ah, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Un peu chiant, lui, hein. Ah merde. D'accord. Falloir que je remette un lit. Ou que j'utilise un twomp. Tant qu'à faire. Un méga blâme. Tu montes jusqu'où? Bon, en plus il monte vachement haut quoi. En fait je skip toute la zone quoi. Je me suis cassé la tête pour rien. Par contre, si tu le mets là, c'est pas étonnant. Ça on pouvait s'y attendre. C'est fou comme l'objet que tu utilises le plus du jeu, c'est le lit. Genre c'est un gag en fait. Ok. Il en reste plus que deux à trouver après. Enfin deux nids ou orbes, ou je sais pas trop ce que c'est censé être, mais. Oh. Ok. Pourquoi le souffleur? Fallait utiliser le souffleur pour ça? En vrai, comme on a vu, il y a à chaque fois plein de solutions. Et ça d'ailleurs c'est très bien. Genre, certains l'ont peut-être fait avec le souffleur, moi je le fais comme ça, genre... Moi je trouve ça vraiment très cool un jeu, où à chaque fois t'as plein de solutions de réaliser des trucs. J'aime pas. Ok, c'est bon. Le lit ça fait un escalier, oui. Oula, mais... Je me laisse trop perdre des PV. C'est trop débile parce qu'en plus j'ai énormément d'objets qui me redonnent des PV. Mais genre je préfère me dire c'est pas grave, c'est pas grave, je vais en récupérer. Alors qu'en plus on ne récupère pas tant que ça des cœurs hein, sur la map. Merde. Bon j'ai voulu me venger mais c'est le vide qui l'aura eu. Bref. Je suis sûr il y a un truc là-haut. J'y mettrai votre main à couper. Et là, y a rien. Vos pauvres mains. Ah! Y a pas rien! Y a ça! C'était exactement de ça que je parlais quand je disais qu'il y a quelque chose là-haut. What? Ah! C'est l'espèce de ministre là, c'est facette! Et bah voilà! J'avais dit qu'elle avait été remplacée! J'avais pré-shot! Je la reconnais, elle, c'est facette. Pourtant, elle était dehors avec nous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette faille? Voilà! Donc là, il y a encore une autre faille pour faire le donjon. On n'a pas terminé le live, hein. Ça fait combien de temps? Tous mes compagnons qui sont retenus prisonniers ici sont bien là. 2h30. On va pouvoir refermer la faille. Oh, toute sa famille. Et vous allez m'améliorer d'ailleurs, mes trucs? Non, ils vont vraiment améliorer... Ah... Yes? Ah non. Mais non! Mais améliorer son pouvoir, là, wesh! Je vais pouvoir invoquer des milliards de monstres. Oui, refermez pas la faille sans moi. Hein. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Et ouais. Hein? Toi, si je te crois, je vais te faire. Allez, Zelda, retournons dans ton monde. Oui, change de sujet, tant qu'à faire. Comment ça? Après, effectivement, ça va en demander de plus en plus, bien sûr. Zelda! Où suis-je? Je me suis fait engloutir par cette faille et puis... Toi aussi tu es réveillée. Ah, ça fait tellement plaisir que vous soyez toutes saines et sauves. C'est incroyable. La faille, tu l'as vraiment... Tu l'as refermée? Nous l'avons vue de nos propres yeux. Oui, tu possèdes vraiment des pouvoirs étonnants. Dame Facette, quelque chose ne va pas? Nous ne devrions pas laisser le palais sans surveillance. Rentrons vite. Mais la vraie est là-bas. Je le savais, je l'avais dit dès le début. C'est qui le plus malin? Vous pouvez le dire dans le chat. Hein. Tiens, que m'est-il arrivé? Facette!
Il est trop stylé son trident, hein. Il y a deux facettes. Eh, les deux facettes d'une même pièce. Ah ah. Dame Selam et Dame Tona, que s'est-il donc passé? Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais venu voir de plus près la faille qui était apparue dans le désert, mais Zelda, explique ce qui se passe! Ah mais ça me revient, j'ai été englouti par une faille! Je vois. Vous avez capté, Dame Selam? Faites attention, elle est sortie de la faille! C'est peut-être une sorte de monstre, oui, ça ne fait aucun doute. Laquelle de vous deux penses-tu que je vais croire? Tu ne t'enfuiras pas! Ah ouais! Ah mais si elle est si forte que ça, pourquoi elle a pas buté tous les monstres toute seule depuis le début? Quoi? Elle a disparu? C'était un imposteur. Après l'apparition des failles, Facette s'est mise à faire toutes sortes d'interventions qui ne lui ressemblaient pas. Comme lorsqu'elle a dit qu'elle avait trouvé une légende disant qu'on pouvait faire disparaître les failles en éliminant des monstres. C'est aussi elle qui a suggéré d'ensevelir l'entrée du sanctuaire pour empêcher les monstres d'en sortir. D'ailleurs, ce n'est qu'après avoir appris que la faille de la forêt du sud avait disparu qu'elle a eu cette idée. Maintenant que j'y repense, je suis sûr que c'était pour t'empêcher de t'approcher de la faille, Zelda. Mais pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que les failles soient refermées. C'est sûrement pour ça qu'elle a inventé tous ces mensonges. Zelda, je te dois des excuses. Pardonne-moi de t'avoir traité comme je l'ai fait. C'est peut-être culotté de ma part de te demander cela maintenant, mais je t'en prie, sauve les Gerudo. Je t'autorise à désensabler l'entrée du sanctuaire. Ah non, non, non. Faites-le, moi je le fais pas, hein. Enfin. Merci, chef. L'entrée du sanctuaire a été construite en contrebas d'une cascade de sable, au sud du désert. Nous avons bouché la grotte qui permettait au sable de s'écouler, pour que l'accumulation vienne obstruer l'entrée. Allez voir la garde qui surveille la grotte et expliquez-lui la situation. À vos ordres. On a réussi, Zelda. Quand tu seras prêt, rends-toi au sanctuaire, nous comptons sur toi. J'y vais de ce pas, là. Allez, je peux jouer, merci. Donc... téléporteur le plus proche. On m'a tout expliqué. Le bouchon qui bloque la cascade de sable se trouve par ici, mais... je viens de me faire attaquer par un paquet de monstres et je n'ai pas pu m'aventurer à l'intérieur. Si tu arrives à retirer le bouchon, le sable s'écoulera et ça libérera l'entrée du sanctuaire. Bon, donc il y a un bouchon à l'intérieur. Et si on le retire, on pourra se rendre à l'entrée de la faille. Allons-y, Zelda. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Je sais qu'on peut y arriver. Non, toi? Eh bien, dis donc, c'était compliqué. Ok. Attendez. On peut avoir à travers les portes. Enfin, les murs. Ça a abusé, hein. Bon, par contre. Je sais pas, hein, où est le secret, où est la suite. Ah merde. Yes. Yes. Ok, parfait. Oh non, il y en a encore un autre. Ça en fait c'est juste que c'est long quoi, parce que c'est vraiment pas dur, hein. Ah non. Oh let's go. Moi je vais retourner dans l'autre salle. Ah, on va terminer et après on retournera dans l'autre salle. Par contre, bien entendu, je n'oublie pas, parce que genre il pouvait tellement y avoir des trucs. Ah ouais. Ça, généralement, c'est genre un truc qu'on trouve dans des coffres. Et là, carrément. Carrément de plus. Ok, attendez. Bon, comment on peut... Ah, eux, si on les fait flamber, je pense que c'est plus rapide. J'ai pas beaucoup d'ennemis de feu, en fait. Genre, j'ai que lui, hein. La attaque, non? Ils mettent 3 plombes. Bah voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. Et maintenant, j'ai envoyé ça. Vous arrêtez quand de flamber? Bah oui, parce que pour l'instant vous leur faites rien en fait. Ils sont... ah juste ils flambent dans tous les sens et après c'est terminé. D'accord. Ah mais c'est ça les gypes d'eau. Donc en fait c'est séparé des effrois. Je croyais que c'était juste à peu près les mêmes monstres, mais genre dans des... genre 2D, 3D, quoi. Enfin, certains en 2D et d'autres en 3D. J'imagine que s'il leur tombe dessus, il va les tuer, mais enfin, faudrait qu'ils tombent, quoi. Yes! Ah, let's go! Ah, c'est trop pratique, ce truc. L'écho du Girolame! Bah, on t'évite de m'écraser, mon pote. Et le Girolame. Ah, mais j'en ai trop, hein. Bah pourquoi t'avances pas? Bah. Ah en plus tu peux tuer les autres Girolames? Oh la dinguerie, oh non. Bah non mais bien sûr. Bon après ça va, il y a un passage mais... Oh bon. Très bien.
Allez. Quoi? Pourquoi? Pourquoi ce truc est mort? Bon. Bon, tant pis, c'est pas grave. Quart de cœur. Bon, on avait besoin. Par contre, ça fait vraiment une éternité qu'on n'a pas eu de quart de cœur. Et là, un petit cœur, ça ne me dérangerait vraiment pas. Je fais que de me faire barave la gueule. Après, dans ce jeu, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu joues en héroïque, bah, normalement, tu es censé ne pas avoir de cœur qui drop. Mais là, déjà, on dirait qu'il n'y en a jamais qui drop. Donc, en fait, le mode héroïque n'a pas l'air de changer énormément de choses. Enfin, après, tu reçois quand même double dégâts. Donc, je serais mort des milliards de fois. Hein. Deux milliards, Kirbano qui ne sait jamais doser. Mais comment tu le tues? Ok, je sais pas pourquoi tout à l'heure ça l'a pas tué, mais... Je suis dégoûté. Le Girolam, mais est-ce qu'il peut aller au-dessus du vide? Enfin, genre au moins d'une case. Ouais, mais ça n'a pas marché là. Mais comment ça? Je comprends pas pourquoi... Genre... Bon, déjà c'est pas ça que je voulais, mais... Merde. Mais ça sert à rien là-bas. Ça va être pour récupérer un cœur. Mais... Je suis trop con. Non mais je comprends pas. Des fois ils s'entrechoquent, ils explosent tous les deux. Des fois t'as que le mien qui explose. Enfin genre c'est... C'est très étrange. On peut choper les coffres? Ah non mais attendez, mais ça change tout ça. J'étais en train de chercher un moyen de monter, mais en fait si tu peux faire ça, ça va faire que... Il y a plein de trucs de dingue que je vais pouvoir skip. Donc expliquez-moi pourquoi on ne peut pas écho les coffres. Pour en avoir autant qu'on veut. Non. Mais comme je disais, à chaque fois genre t'as plein de solutions de faire les puzzles, c'est trop bien. Voilà, très bien. Parce que c'est trop loin, donc en fait je pense que la solution c'est... Déjà tu t'en vas. Toi aussi tu t'en vas. Bon. Ça fait longtemps que j'ai pas eu besoin de tout faire disparaître hein. D'un coup. Et bah ouais. Et bah ouais bien sûr. Oh. Je sais. Je sais. De toute façon je sais. Ma solution pouvait pas marcher parce que j'ai pas assez de trucs, mais sinon il y a ça. Voilà. Oula, oula, oula. Calmos. Non mais c'est une blague. Ah non, c'est le mien qui est là. Ok, très bien. Et en plus, ils s'entretuent. Les pauvres. Allez, il te fait pas repousser là. Voilà. Bon, on arrive bientôt au donjon. J'ai trop hâte d'avoir un nouveau pouvoir. Parce qu'en fait, il reste l'arc à récupérer. Et Ok, ouais, donc il reste l'arc à récupérer. Et les bombes en fait. Je pense que ça va être les trois pouvoirs qu'on... Enfin, les deux pouvoirs qu'on va avoir dans les deux autres donjons. T'étais trop nul. T'étais vraiment trop gaze. Hein. Tout, 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 tout. Gibdo niveau 2. Mais tu rencontres un Gibdo pour la première fois et juste après t'as un Gibdo niveau 2. Je pense que la suite elle est à gauche. Ah j'en sais rien en fait. Ah je vois je me galère pour ça. Ah. Vas-y vas-y vas-y. Le bouchon. Ok mais par contre il faut que j'aille à gauche. Ah bah ça doit être la sortie en fait. Ça doit être un raccourci. Et voilà le passage est désensablé. Merci de ne pas m'interrompre. Non mais Tri est vraiment un très bon personnage secondaire. Parce que genre contrairement à Étoile d'Or dans Mario Luigi Dream Team Bros, quand tu fais un truc elle te dit pas oh tu as vu, je crois que dehors maintenant ça doit être désensablé. Non parce que je le sais. Même s'il n'y avait pas eu la cinématique je le saurais, vu qu'on me l'a dit avant. Mais donc ouais là c'est un personnage secondaire qui est vraiment pas chiant quoi. Allez bye bye. Vas-y. Je commence à fatiguer en plus. Voilà, le sanctuaire Gerudo. Je devrais pouvoir créer une ouverture ici. Zelda, recule un peu, s'il te plaît.
Meilleur Zelda, Wind Waker, oui. Largement. Non, ils sont tous incroyables. Mais lui, c'est vraiment le meilleur. Oh! Le revoilà! Ah, il nous a même pas jeté un regard, quoi. Il nous a snobé de fou. Ce jeune homme en tunique verte. Zelda, ce n'était pas Link? Non, c'était Zelda. Mais vous êtes toujours pas à la page, hein. Je peux monter là, c'est un problème ça? C'est un problème. Ça c'est pas forcément un problème puisqu'on a vu qu'il suffit de faire ça. Ah mais en fait non. Bon, c'était un problème quand même très, très passager hein. Ok. Et là, c'est pas encore le donjon, si, si, je pense qu'on y est déjà, hein. Ouais. Ouais, ouais. Il y a que deux étages. Bon, j'ai hâte de voir la carte, enfin, d'avoir la carte pour voir un peu, genre, comment il s'étend. Mais il a l'air d'être plus petit que l'autre, en fait. Le premier donjon était vraiment énorme. Je sais, je connais. Mais attendez, en vrai... Ouais, les bombes et l'arc. Par contre, là-haut, je sais pas ce qu'il va avoir. Ça, on verra bien, mais je sais pas. J'ai fait Undertale, j'ai fait toutes les fins, ouais. What? Ok, et l'autre? Après, si je suis Link, je peux sûrement faire ça rapidement, mais... J'ai pas assez tiré. Ok, ok. Et parce que si j'étais en Zelda, genre fallait que je pose un objet pour pouvoir monter. Oula! Ouais. Je pensais qu'il y avait des ennemis qui allaient sortir de là, mais non, pas du tout. Mm-hmm, une clé? Ou la carte? Ah non, une clé. Bon. J'ai déjà eu game over depuis le début? Je crois pas, non, parce que j'avais eu la fée qui m'avait sauvé. Heureusement. D'ailleurs, j'ai toujours une fée dans l'inventaire. En fait, le jeu, par contre, il donne pas mal de fées. Et j'imagine qu'après, en plus, tu vas pouvoir avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième flacon. Ce qui va faire qu'en plus, tu vas en avoir encore plus de fées. Ah, c'est ça que j'ai besoin! Faudra pas que j'oublie de le faire. Alors, attendez. Echo, directement. Vous avez mémorisé l'écho de la dalle volante. Ça a l'air d'être vraiment gaze. Eh mais j'ai pas de bouclier. Ok, ok. Mais non, j'aurais dû mettre une caisse ou un truc comme ça devant moi. Je suis débile. Comme d'habitude hein. On sait. Mais alors les dalles, je peux les poser comment d'ailleurs? Je pose juste des dalles comme ça. En plus, ça coûte cher. Attendez, mais je pense que je comprends pourquoi. Parce que... Attendez, non. Voilà pourquoi. Oh, c'est pour ça que les dalles coûtent si cher que ça. Mais attendez, mais c'est encore un objet ultra pété. Hein. Et c'est trop satisfaisant. En fait, à chaque fois que je récupère un objet, je me dis... On peut pas faire plus pratique, quoi. Genre, cet objet, c'est une dinguerie. Et en fait, non. Il y a encore un objet qui rechange la manière de se déplacer après. L'écho de la statue de serpent, on va en faire quoi de ça? Pour l'instant rien. C'est quoi ces nouveaux ennemis? Et attendez en plus. Ah mais non. Ils sont trop hauts pour que ça puisse leur foncer dessus. Vas-y. Toi tu fais mal normalement hein. Voilà, je sais pas ce qu'il a. Il est devenu bien plus gaze, mais... Mais ils ont combien de PV, là? Pourquoi t'es obligé de te reposer? Oh, oh, oh! J'aurais dû en profiter, là. Bon, c'est pas grave, y'en a un de mort. L'écho de la mythe. Ça n'a pas cherché très loin pour le nom, hein. Yes!
Mais cet ennemi au début, enfin lui là, je sais plus quoi, il était vraiment trop fort, puis bon bah rapidement il est devenu quand même bien plus gaze. Bref, j'imagine qu'il va falloir trouver des trucs pour que le sable il s'effondre. Genre des bouchons encore. Les donjons vraiment ils sont pas casse-tête. J'aime bien les énigmes, elles sont pas bien compliquées. Et mais genre, non en vrai, ouais j'aime vraiment trop. Puis, c'est quand même des bien meilleurs donjons que Tears of the... Waouh, c'est quand même des bien meilleurs donjons que Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. En même temps, c'est pas difficile de faire mieux, mais... Après, je dirais pas que c'est les meilleurs donjons de la série, hein. Je pense que personne pourra dire que c'est les meilleurs donjons des Zelda. Mais c'est cool quand même, ça va. Pff, il s'entretue. Non, dégage! Je pouvais le faire disparaître, mais je préfère le jeter. Le pauvre. Il y a trop de trucs, on pourrait pas en mettre en favori. Parce que là, ça devient de plus en plus galère. Encore. Faudra vraiment que j'aille voir sur internet les recettes par rapport à ça. Je pourrais pas les faire au hasard. Enfin, je pourrais techniquement, mais ça m'a l'air d'être trop précieux. Ok, sauvegarde. Place ici deux offrandes différentes. Des indices sont inscrits quelque part à cet étage. J'ai tout à fait compris. C'est juste que pour l'instant, j'en ai qu'une seule des offrandes. Vas-y. Ah mais genre là vous allez rien faire en fait. Attends, je me dis un truc. Si je mets ça là. Quoi? Il peut tuer les oursins? Bon, meurs! Non, disparaissez tous là. Voilà, bref. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé l'ours. Hein. Bah, c'est pas ça que je voulais. Oui, c'est ça. Oh non! Des ennemis planqués, manquait plus que ça. Ça, ça va être l'indice. Oh non, 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 non. Pas ça, c'est trop long. Non. Mais c'est sérieux? Ah, mais parce que lui, il est catastrophique, hein. Merci. Alors par contre faut qu'on le retienne l'indice parce qu'on peut encore mettre la statue. Genre vu qu'il faut être dans la pièce au moment il faut qu'on trouve l'autre en fait. Petit cristaux de sel, let's go. Il se tient calmement dans le sanctuaire, tout bleu. Il possède de grandes défenses et un long nez. D'accord, donc ça c'est l'éléphant. Mais on n'a pas de statue d'éléphant pour le moment. Donc on va fouiller. Hein. Oula, c'est quoi ce nouvel ennemi? C'est un sorcier? Oui, oui! Yes! Ok. What? Il est littéralement apparu à l'endroit où était l'ennemi et donc il a perdu tous ses PV. Trop gaze. Vous avez mémorisé l'écho de l'esprit. Encore une fois, GG pour le nom, hein, j'aurais pas trouvé moi-même. Vas-y. Alors. Ah, je retire ce que j'ai dit. Il est pas plus petit que l'autre. Hein. Vraiment pas. Hein. Enfin, ouais, vraiment, vraiment pas. Hein. Il est plus grand, alors que le 1 était déjà gigantesque. Ce qui me dérange pas. Hein. Mais je commence un peu à fatiguer, mais je le termine. Oh. Ah. Oh, Link. Oui, on dirait bien Link. Où est-ce qu'il va? Je sais pas, mais on va lui botter le cul. Oh. Non. J'ai l'œil. C'est quoi ça? On dirait que j'ai trouvé un big secret optionnel. Alors que c'est des récompenses tout pourries. Qu'en plus le secret, Théma le secret quoi. Genre c'était évident. Ah j'aime pas lui. Parce que comme il saute en fait, mes ennemis le loupent un peu trop. Mais ça va cette fois. Par contre les ennemis noirs comme ça tu peux pas avoir l'écho. Non, 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 non. Comment je les déteste, ils me saoulent. Oh, j'ai failli tomber dans le vide. Toujours notre écho favori, hein. Merde. Ouais. Ok, merci.
Il va pas y avoir un truc caché derrière, non? On sait jamais, hein. Non, c'est complètement inutile ce que je fais, hein. Ah là là. Je me disais, on sait jamais, hein. Mais bon. Genre, qui aurait eu un trou. Et qu'en tournant, genre, il y aurait un coffre à l'intérieur. Bon, tant pis. C'est un coffre, ça? Genre, en mode optionnel caché? Waouh! Pour un truc évident, 50 rubis, ils veulent vraiment pas que tu sois pauvre dans le jeu. Tant mieux, hein, parce que s'il fallait farmer pendant super longtemps pour avoir des rubis, Oula. Ok. Normalement, je suis pas fan de ce genre de donjons qui sont extérieur-intérieur, hein, mais bon. La build est enregistrée, je sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je descendrais là? Y'a rien. Parce que peut-être que tu peux faire un raccourci par en bas. Je sais pas, ça m'a l'air d'être très haut, mais peut-être. Ah super! Je libère des ennemis, c'est cool ça! Oh non non non, il y a un effroi quelque part. Ah ouais, en plus il est super loin, il arrive à me toucher. Attendez, là il y a trop d'ennemis, c'est pas possible. Vas-y, il faut les mythes. Ou l'esprit. Ah, ah. Vas-y. Ah mince. C'est la catastrophe. Vas-y, tue au moins la mythe, là. J'y crois pas, hein. Surtout qu'il y a un autre truc chiant, là. Genre, l'effroi, c'est une catastrophe. Ok, c'est bon. Bon. Mais il n'y a pas moyen de ranger ça plus correctement. C'est catastrophique, hein. Et en plus, j'imagine que j'ai même pas encore la moitié des échos du jeu. Après je verrai, là j'ai la flemme, mais demain je verrai s'il y a un moyen d'organiser, genre de mettre des favoris. S'il y a moyen de mettre des favoris, j'irai en mettre quelques-uns. Voilà, il pouvait pas se mettre dans le sable, donc c'est quand même mieux. Il y a un truc là? J'ai eu pierre de monstre, c'est un nouveau truc ça. Je suis pas sûr qu'on puisse faire des bons smoothies avec. Attendez, c'est bizarre parce que là, genre, il y a rien du tout. Même pas des petits rubis. Et sur le côté, là, c'est bizarre aussi. Hein. Je vais aller voir tout de même. Ça, j'aime pas. Ceux qui se jettent dans le vide. Quelle bande de troufions. Tu peux pas monter, toi tu sais pas faire d'escalier. Ah, mais il s'est rentré dans le sable. Ah bah non. C'est étonnant. Genre qu'est-ce qu'il va y avoir tout là-bas? Non. Parce que sur la map il y avait... Ah mais c'est plus le donjon de les coffres. Bah si, il devrait être affiché. Parce que l'autre il était affiché de donjon, enfin de coffre. Je pense qu'en fait ils veulent que tu les combattes en étant Link, hein. Parce qu'ils font que te donner des pouvoirs pour Link, mais je le fais pas du tout. Oh non, tu veux pas faire ce saut là? Qu'est-ce qu'elle est gaze. Là pareil, il y aura rien de l'autre côté, on est d'accord. J'essaye quand même, hein. Moi je serais Nintendo, j'aurais caché un truc là, mais non. Après c'est vrai que j'aurais peut-être fait en sorte qu'on puisse peut-être le voir avec la perspective. Oui oui je sais, pas la peine de faire un zoom, c'est bon. C'est pas la première fois que je le fais, j'ai... What? On avait besoin d'un oiseau? C'est mon réseau d'écho de la statue du faucon.
Peut-être. Donc en fait, peut-être ce serpent il va pas servir. Bon, c'est rien de faire des plans sur la comète. On verra bien au moment. Vas-y, je suis pas venu ici pour rien. C'est très cool. Lui, depuis... Ah non, c'est mon ennemi. Ah. Je vais prendre Link, hein. Waouh. Ce saut avait pourtant l'air très serré, hein. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais... Oh, des chats! Oh, c'est trop mignon! Mais c'est pas ça qui est important. Surtout que si la statue ne sert à rien... le mieux... Ah, Girolame, ça peut être pratique, non? Je sais pas du tout au niveau des dégâts ce que ça fait. En plus, vous pouvez même pas leur faire des dégâts en retour, donc en fait, c'est débile, quoi. Par contre, ils ont l'air d'effectivement pas beaucoup leur faire de dégâts. Hein. Vraiment pas. Ah, hein. Oh, les frappes peuvent leur faire des dégâts. Je suis pas sûr que c'était la meilleure... Mais non, en fait, il a pas reçu de dégâts, c'est juste que... Genre, il était là depuis trop longtemps, non? On se dégage. Je ne vais peut-être pas buter l'effroi comme ça, sinon il y a encore demain. Ah ouais, il avait encore trop de vie, hein. Normalement, en 4 coups de ça, il est mort, donc il avait rien perdu, hein. Ça aurait vraiment duré une éternité, hein. Vous avez mémorisé l'écho de la statue de chat. D'ailleurs, vous remarquez que le chat il est rouge avec des symboles dorés. Et bien, sachez que c'est un mannequin écho, comme le chat dans le nouveau Yo-Kai Watch là. Kineko. Et non, pas trop comme Jibayan par exemple. J'ai une clé? Non. Parce qu'il y a une porte à droite qui m'intrigue, mais je n'ai pas récupéré de clé, il me semble. Ok. Oh! Link. Et l'arc? Non, mais là, ça va être la première phase. En fait, c'est le mini-boss des donjons maintenant, Link. Mais on récupérera l'arc à la fin, je pense. Enfin, bien sûr, il sera pas aussi puissant. Mais par contre, elle était trop forte, là. C'est quoi, ça? Genre, les esquives de baiser, elle est trop forte. Non. Oui. Oh! Il vise bien l'autre con, là. Je sais pas si je peux lui retirer son arc. Moi, je pense que la stratégie... Utiliser les girolames. Mais il essaye de m'éviter de fou, là. Après, j'ai plein de stratégies différentes, donc... ah bah. Après, par contre, si j'essaye de le buter comme ça, je pense réellement que j'y suis encore demain. Je pense aussi que l'un des trucs à faire, c'est quand même de se débarrasser de tous ces trucs de merde. Ça, c'est bien embêtant. Et je peux me transformer en Link aussi. C'est vrai, je peux essayer de le battre comme ça. Attendez, je me débarrasse de ça parce que c'est de la merde, mais... Oh! Ah merde. What? T'es trop gaze-mer-gaze, Link. Vas-y, vas-y. Deviens violet, bien entendu. Et les... Mais il a disparu. De vous à moi, c'était pas censé se passer comme ça, hein. Font beaucoup de dégâts. Oh là, oh là. Ah non, ils ont pas plus de vie par contre. Waouh. Et mais damageless le jeu, ça va être chaud, hein. Ok. Enfin, ça va être chaud, comme si moi j'allais le faire en damageless. Vous avez cru quoi? Non mais t'es mort là. Et là il y en a 6 qui se... Ah ah. Voilà qui est très intéressant.
C'est comme avec Facette et les gens du château. On dirait que Link a été aspiré dans le monde du néant, qu'un imposteur l'a remplacé lui aussi. Mais je pense que si on referme la faille, on pourra le sauver. Pas celle-là, je pense. Mais bon, allez, notre nouvel objet. Vous avez obtenu l'arc de puissance. En mode épiste, appuyez sur X pour utiliser l'arc. Ok. Mais donc... Je me demande toujours pour la porte à clé, là, mais on verra plus tard. Attends, mais il y a un endroit où je suis pas allé. Ah oui, mais je peux pas y aller. J'ai trop mal aux oreilles. Là, ma boucle d'oreille, elle me fait trop mal. Mais c'est à cause de la... Du casque. Link, en réalité, le méchant révélation du fou. Quoi? Attends, mais tu veux être banni temporairement? Vas-y, vas-y. Mais tu vas me manquer. A tout à l'heure, Arc Jorgoma Moga. Tu me manques déjà. Ah mais non mais ça sert à rien de les buter puisque de toute façon... Ah, ah. Vas-y X. Par contre on peut pas charger pour tirer trois trucs, non c'est pas possible. Attendez mais maintenant faut que je puisse partir là. Avec le lit. Tout simplement. Vraiment, c'est ridicule que l'objet le plus utilisé du jeu ce soit un lit. C'est trop goofy. Mais c'est drôle. Ok, encore un TP. De toute façon, je pense que là, on a bien évidemment dépassé la moitié. Ah bah non! Attends, mais arrête-toi, mais. Résistance au feu, attendez, vraiment? Ouais, mais enfin, résistance au feu, oui, si on veut, mais. Bah après, bon, il y a une solution, mais enfin, ça me saoule un peu, mais vas-y. Coup ! Il y a une autre solution. Enfin, j'imagine. Voilà, voilà. Comment j'étais choc-barre. Ah, on a enfin l'éléphant. Par contre, c'est vrai qu'on sait pas trop c'est quoi l'autre à utiliser, on verra bien. Les morceaux de l'écho de la statue d'éléphant. Avec les couleurs et tout, on dirait les éléphants indiens. Il n'y a pas qu'existent en vrai en Inde, mais genre les reliques d'éléphants indiens, là, les divinités. Et on a la clé en plus. Donc on a besoin de l'éléphant et je sais pas trop quoi d'autre. Je peux me TP ou faut que... Non, non, non! Plus rapide de se TP. Hein. Vas-y. Et on aura après tout fait hein. J'ai hâte de voir le boss. Parce que le premier boss était grave cool. Moi j'en suis où de mes cœurs? J'ai tout? Non. Mais vraiment ils sont avares de cœurs hein. C'est pas cool. Dégage. Ok. Là il va y avoir un indice à la fin je pense. Le dernier. Après on peut tout essayer hein, sinon on met un éléphant et après genre on essaye tous les autres statues. Mais c'est satisfaisant ce truc de tirer là. Vraiment ils ont bien rendu le jeu. Mais attends mais pourquoi moi ma manette elle vibre pas. Je remarque à chaque fois après 3 plombes que ma manette ne vibre pas. C'est trop loin ça non. C'est trop loin. Je peux le saisir ça? Ah non, je peux le tourner, je pense, non? Ouais. Sauf qu'il faut que je me débarrasse du truc qui est là. Link, est-ce que tu peux faire un truc? Oh bah voilà. Ok. Bon, maintenant, il va falloir tout tourner. Et lui, je peux l'allumer à l'ancienne. Mais il n'y a pas d'indice par contre. On va récupérer un coffre sûrement. Ah si, ok très bien. Et la clé du boss? Où est-elle? Il repose ses ailes en haut d'une tour. Son regard est perçant et son bec robuste. Ok, donc c'est l'oiseau et l'éléphant. C'était ici je crois. Éléphant et oiseau. Mais donc en fait si t'as... J'allais dire si tu connais tu peux skip.
Mais en vrai, vu que l'éléphant tu l'as tout à la fin, tu peux skip pas grand chose en fait. Tu peux juste skip quelques salles. Donc. Et en fait, par contre, j'ai eu le chat et le serpent pour rien. Peut-être que dans un autre donjon, on les utilisera. Ou une autre énigme. Peut-être une énigme du jeu nous demandera de toutes les utiliser. Hein. We don't know. Allez. Ah, mais oui, c'était pour la salle qui était recouverte de sable. Je m'en souviens bien. Et d'ailleurs, la salle du boss. Mais on n'a pas eu la clé, hein. Ah bah c'est pas la seule salle dans laquelle il y avait du sable d'ailleurs. Ah bah c'est là que ça se trouve. En vrai j'ai pas envie d'arrêter de jouer mais bon il est 4h du matin là, hein. Il va falloir Kirbendo. De toute façon tu continueras demain. J'espère que vous serez toujours là. Ah non bah non. Ça paraît assez évident non? Quoi que le truc vert me perturbe. Ah bah ok, d'accord. Encore plus évident que je le pensais. Ah bah non, bah oui. Le truc vert me perturbe. Pourquoi ça, je peux pas le saisir? Le jeu n'a pas l'air d'apprécier qu'on monte dessus. Hein. Ah, saisir? Non, tu te fous de ma gueule. Oh. Il suffisait d'appuyer sur le putain de bouton A. Ce n'est pas drôle. Ok, merci pour ce cadeau. Et on va faire la fête au boss. Mais je vérifierai quand même que j'ai tout eu. On sait jamais. Quoi? D'accord, alors est-ce que c'est le seul truc qui me manque déjà? Ça peut pas être un truc avec les bombes quand même. Ils vont pas nous demander de revenir dans ce donjon quand on aura les bombes. Ah bah merci, ça c'est cool. Oui mais pourquoi? Ah 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 ah, il y a un trou en haut. Il y a un trou. La sortie n'était pas loin. Ah peut-être que si. Ouais, bah il y a un trou à trouver quoi, mais... Je peux me TP directement, je sais pas pourquoi j'y allais à pied là. Je suis con. Mais tout en hauteur, moi j'ai pas vu de trou dans lequel je pouvais aller. Bonjour l'esprit. Mais je t'ai déjà buté, et d'ailleurs je me suis jamais servi de toi. Alors ça se trouve t'es très utile mais... Pour l'instant je pense pas que j'ai la capacité de monter. Ça me paraît trop haut, ouais, même avec le truc et Link c'est trop haut. Ah mais attendez, mais non. À mon avis. En plus, ça fait un peu longtemps qu'on l'a pas utilisé. Hein. Ah mais regardez comment il monte. Oh. Ah, j'ai compris. Enfin, je pense. Non mais attendez, c'est qui le boss? Attendez, attendez, attendez. Mais non, mais ça méritait un quart de cœur! Comment ça? Et là, après, je sais pas où ça va m'amener par contre. Qu'est-ce que tu veux? Je récupère ça. Et TP au boss! C'est l'heure du boss du donjon. Souhaitez-moi bonne chance. Attendez, je vais prendre le l'esprit. Je pense pour être fort. Je sais pas si l'effroi il peut paralyser les boss. Ça m'étonnerait quand même, ce serait abusé. Hein. Oh oh. D'accord, il va y avoir une dinguerie avec ça, je pense. Uh-huh.
C'est une taupe? Taupe-prix-fond. Comment ça, taupe-prix-fond? Non, non, je veux pas ça. Waouh! Mais à chaque fois, les boss, genre, je m'attends pas du tout à ce que je vois. Hein. Oula, oula. Ça, on peut s'y attendre. En fait, je comprends pas bien. Mais pourquoi tu veux pas attaquer, en fait? Et c'est trop de la merde, parce que j'aurais eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois, en fait. Il peut se prendre les... Ah, je comprends. Ok, ok, très bien. Vas-y. Vraiment, je sais pas si... Non, non, non. Je sais pas si lui, c'est peut-être le mieux... Je sais pas quel ennemi peut attaquer rapidement. En vrai, un combattant, non? Genre lui? Je sais pas, mais faut que tu tombes là. On doit continuer de te combattre si tu veux, on s'en fout. Je m'en fous là, je m'en fous. Parce que, il est débile, il veut même pas attaquer le boss là. Ok, vas-y. Et là. Ah mince, il y a une phase de terminer. Ah, ça veut dire que j'y avais pas fait assez de dégâts tout à l'heure. Oula, oula, oula. Oh non. Il fait les sables mouvants. Ça veut dire qu'il a fait... Quoi? C'est une taupe volante? Mais ça n'existe pas. Contrairement à tout le reste du jeu. De tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Ça, ça existe, non? Ça va en ligne droite, je pensais que ça venait vers moi, mais pas du tout. Je pense que, malheureusement... On va être obligé de poser des statues. Peut-être, pas sûr, je sais pas. Ah oui, ok, très bien. Maintenant, toi, tu vas là. Et moi. On n'a pas changé la phase. Merde. Non, mais toi, par contre, tu vas servir à très rien. À très rien. Oula, oula. Je pense qu'il y a moyen de l'avoir en plus là. Bah si t'es là par contre, ouais, tu vas galérer un peu, hein, désolé. Quoi? Pourquoi ça l'a rangé? Vas-y, vas-y. Bon, j'y vais quand même, mais je suis pas sûr que j'avais pas besoin de le taper. Il aurait pas fait assez de dégâts l'autre. Il est mort? Il y a que deux phases. Là c'est pas mal, mais waouh, ils sont trop bizarres les boss. Et en fait ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que pour l'instant les boss ils sont tous originaux. C'est à dire que genre généralement dans les Zelda 2D t'as toujours des nouveaux boss. Mais t'as des boss qu'on connaît, tu vois, genre des mains avec des yeux dessus. T'as l'espèce de chenille hamburger, je sais pas quoi. Et là pour l'instant, bon, on n'a pas vu 1000 boss, hein. Mais les deux boss qu'on a vu, que ce soit graphiquement ou dans la manière de les battre et tout, c'est nouveau. Et ça, c'est très très bien. Allez. Oh, il forme presque une étoile en fait. Bon, ça se trouve, c'est fait exprès, hein. Il y a des chances. Allez, augmentez-moi ma barre. Yes. Si elle passe niveau 3, j'espère. Et bah voilà, le monde est sauvé. Alors avant de terminer le live, faut quand même qu'on aille apporter la dalle à la Gerudo. Et sinon j'oublierai de le faire, et ça c'est rapide. En tout cas, merci à tous les gens qui ont été là pendant ces heures de live là, en plus si tard, merci à vous. Mais moi, genre j'aurais pu encore jouer 8 heures de plus, hein. Mes camarades ont partagé leur pouvoir avec moi. Yes, niveau 3. On peut invoquer encore plus d'ennemis. Ah, et c'est même une barre complète. Merci. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Vous pouvez désormais créer des échos à distance. What? Ah non, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais que t'aies 5 petites couilles. En maintenant Y enfoncé pour charger votre pouvoir, vous pouvez créer des échos à un endroit éloigné. Bon, en vrai, ça peut être tarpin utile. Donc on va pas se plaindre. 5? T'aurais pas pu en donner 10? Le gars qui abuse tout le temps. J'ai pu parler à mes compagnons pendant qu'on refermait la faille. Eux aussi se sont fait capturer par ce monstre. Il ne leur était jamais rien arrivé de tel avant. Mais maintenant que tu as vaincu le monstre, ils ont pu se remettre au travail.
Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde de néant. Sortons d'ici, Zelda. Yes. D'ailleurs, j'ai même pas vu combien j'en avais de trucs. Genre les fragments, là. Bah, ça a disparu, bien sûr. J'en ai 13. J'améliorerai la puissance de l'épée, je pense. Parce que là, j'ai vu contre ce boss qu'en fait, je lui faisais pas assez de dégâts. Veux-tu retourner dans ton monde? Bah, bien sûr que oui. Alors, allons-y. Par contre, passez pas 3 plombes à me remercier. Je sais que je suis la meilleure. Je sais que je suis le boss et tout. Mais ça ira. Ça ira. Mes chevilles sont déjà suffisamment grosses. Pas la peine de me sucer autant. Je veux partir à la suite. Enfin, demain, mais... Zelda! Toutes les failles du désert ont disparu, pas seulement celles du sanctuaire. Tu as enfin réussi, Zelda! Tout le monde à la cité attend ton retour. Non? Allons-y ensemble. Nous fêtons la disparition des failles, c'est ma tournée. Encore de l'alcool. Tu dis ça et après tu vas encore venir pleurer pour que je te prête de l'argent. Waouh! Et alors, l'ombre d'une guerrière a surgi des ténèbres. C'est l'heure de l'entraînement, mais on dirait qu'elles ont tout oublié. Allons, c'est un jour de fête, les failles ont disparu. On peut se montrer indulgente aujourd'hui, non? Tout le monde est de très bonne humeur. Ah, d'ailleurs, le prochain chapitre, c'est les auras. C'est vrai. Zelda, laisse-moi te remercier encore une fois. Sans toi, tout cela n'aurait pas été possible. Moi aussi, je te remercie du fond du cœur. C'est toi qui nous as tous poussés à agir, Zelda. Tona, à toi aussi, je te dois des remerciements. Ta conviction et ton amour du peuple Gerudo ont sauvé la cité. Mère, je suis fier de toi et je crois même que tu ferais une excellente chef. Quoi? Ah mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça me rend très heureuse, mère. Zelda, j'imagine que tu vas te remettre en route pour aller refermer d'autres failles. Je prie pour ton succès. J'espère que là-bas me croira un peu mieux qu'ici. Parce que bon, j'étais un peu déçu. Ton père n'était pas là. Mais il reste encore une faille, tout à l'est d'ici. Dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Alors, allons refermer cette autre faille. Yes. Oh! Tout ça pour récupérer un rubis en plus. Je suis pas très sympa, hein. Alors, donc avant de se quitter, je sais plus où était la quête. C'était pas elle? Je crois, hein. Vas-y, elles sont où tes dalles? Bah, t'es. Bah, ah non, c'est pas elle. Attendez, c'est qui? Quête. Non, quête secondaire. Les dalles volantes. C'est pas là? C'est là-bas, bah vas-y, t'inquiète. Je vais le faire. Pour l'instant, je fais pas les soucis parce que je pourrais pas avoir 20 recettes. Enfin, je pense pas que j'ai assez de ressources. Pas la peine. Alors. C'est toi qui voulais ça? Ah ouais? Qu'est-ce que... Tiens alors, c'est ça la dalle volante dont parlait Dame Facette? S'il te plaît, encore une fois, non, montre-moi encore plein de fois! C'est oui, mais je peux en invoquer autant que tu veux, hein, de toute façon, mais... Phew! Maintenant que j'ai bien observé, je vais pouvoir faire un rapport détaillé à ma supérieure. Merci, tu m'as beaucoup aidé. Tiens, c'est pour te remercier. Ok, le début de la fortune, I guess. En vrai, j'ai peut-être quand même besoin de faire quelques smoothies, pas beaucoup, mais... c'est vrai qu'il faut parce que de toute façon, j'ai plus beaucoup de vie, mais attendez. Faisons des smoothies rapides comme ça, là. Avec le piment. Comme je kiffe le piment, let's go. Ouah, avec un piment entier dedans, multi-spécial piment, en vrai ça a l'air bon. Mais vous savez que, genre, l'un des trucs les plus sous-cotés au monde, non ça dépend des pays, en Thaïlande ils le faisaient. Mais en tout cas en Occident, l'un des trucs les plus sous-cotés au monde, c'est les desserts pimentés. Genre, les trucs sucrés pimentés. En Europe, on n'en prend jamais. Genre je connais aucun dessert pimenté par chez nous. Mais en Thaïlande, genre, ils faisaient des salades de fruits au piment. Comme ils font d'ailleurs dans Breath of the Wild et dans Zelda Tears of the Kingdom. Et c'est délicieux. C'est vraiment excellent. Et en plus, c'est pas difficile à faire. Genre, j'imagine que vous savez faire une salade de fruits. Genre, tu prends n'importe quel fruit, tu les coupes en morceaux, tu les mets tu les mets à tremper pendant quelques temps dans du jus de citron et du sucre que t'as mélangé. Et bah, juste, tu rajoutes du piment. Tu rajoutes du piment en poudre ou du piment frais dans le jus. Et c'est délicieux. Je suis sûr que vous devez vous dire, ouais, non, il raconte n'importe quoi. Mais non, c'est vraiment trop bon. C'était, j'allais spécifiquement dans un restaurant en Thaïlande tout le temps. Parce qu'ils avaient ça en dessert et qu'ils le faisaient trop bien. Ouais, vas-y, un peu de ci, un peu de ça. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est jamais des trucs qui redonnent des PV. Donc, ouais. Ok.
Bah attendez, pour terminer, on va peut-être faire ça, parce que ça, il y a moyen que ça redonne des PV. Parce que je commence à avoir besoin de potions qui redonnent des PV, j'en ai utilisé trop là. Enfin, de ce mot-ci. Normalement, ça redonne des PV. Vas-y, juste ça. Et aussi celui à la pomme. Et après, je vous jure, on restera là. Et d'ailleurs, la salade, la salade de fruits pimentés que je prenais, elle était tellement pimentée en plus que genre je pleurais pendant que je la mangeais, mais c'était quand même délicieux. Bref, et bien les gens, ça va être la fin de ce live. Et bien merci à toi d'avoir suivi cette vidéo sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. N'oublie pas de laisser plein de pouces vers le haut, commenter, partager, t'abonner. Et on se retrouve demain pour la suite, ou un peu plus tard, genre tout à l'heure en live. Sois là.